La prévention de la blessure propose de répondre à deux objectifs principaux. Identifier les conditions propices au déclenchement des blessures à travers le développement de facteurs de risque innovants et prédictifs de l'incidence et de la récidive des blessures. Évaluer les effets des programmes visant à maintenir les capacités à la performance en période d'arrêt ou bien leur restauration en phase de reprise d'activité. Le développement de ce thème de recherche va s'appuyer sur une collaboration naturelle avec les équipes médicales de l'INSEP et va permettre le développement de connaissances à l'interface des domaines cliniques et scientifiques. Ce travail va intéresser nos interlocuteurs fédéraux, pour qui la prévention de la blessure est évidemment une problématique centrale, mais aussi nos partenaires industriels qui cherchent à développer des produits qui contribuent à cet objectif de prévention. Natural Grass est un concepteur de solutions végétalisées innovantes qui intervient principalement dans deux domaines, le domaine des sols sportifs pour le sport de haut niveau et le domaine de la végétalisation urbaine. Notre technologie de sol sportif a été développée dans un but d'optimisation de la performance et de prévention des blessures. Les enjeux du partenariat entre l'INSEP et Natural Grass, c'est de mieux comprendre les mécanismes d'interaction joueur-surface, aussi bien du point de vue biomécanique que neuromusculaire. Nous avons donc travaillé sur l'intégration de matériaux amortissants dans le sol afin de réduire le choc à l'impact du pied sur la surface. Vite ! Vite ! Aïe ! Je suis expert dans l'entraînement sprint en athlétisme. Dans cette spécialité, les sprinteurs sont souvent sujets à des blessures musculaires, notamment au niveau de la chaîne postérieure. Dans ce cadre, j'ai recours à l'expérience et l'expertise du laboratoire Sport Expertise Performance de l'INSEP qui met en place un protocole de prévention de la blessure. Les tests musculaires proposés permettent de planifier et d'individualiser la charge d'entraînement pour répondre aux besoins spécifiques de l'athlète et ainsi préserver son intégrité physique. Les applications issues de ces travaux doivent contribuer à réduire les périodes d'arrêt ou à mieux exploiter les phases de réduction de l'entraînement induites par la blessure.